Salut tout le monde, bienvenue sur le Morning Clean. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 d'Idle Wanga. Donc j'étais censé la faire hier, mais hier finalement, hier soir, Team Gaming est venu la voir. Et du coup, eh bien, je n'ai pas fait la vidéo à la suite à cause de ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait aujourd'hui. Mais là je vous fais la vidéo de mardi et de mercredi, donc il va en avoir deux ce soir. Donc ça va avoir fait l'épisode 9 et 10. Et ça tombe bien parce que comme c'est deux niveaux avec Link. Oups, désolé. J'ai pris le mauvais profil. J'avais pris le mauvais profil. Je reprends le bon profil. Voilà. Ça va être un petit peu mieux, je pense, maintenant. Là où j'étais perdu, je sais plus ce que j'étais rendu. Bon, ok, donc comme je disais, deux vidéos aujourd'hui, donc on va faire l'épisode 9 et 10. Et on va commencer tout de suite avec le tableau de Link. Dans le tableau de Link, celui-là, on peut le laisser en volant en normal. En normal, il est très faisable. L'autre après aussi. Donc là, on va augmenter Link, parce que c'est Link qu'il faut augmenter. Et on va augmenter ses badges avant tout. Ensuite, on augmentera son niveau si on peut. Parce que là, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on va faire. Les badges de défense. Voilà. On vient là ensuite. On prend ça. Les badges de soutien. Les autres badges encore. Voilà, donc ça devrait bien aller. Donc là, on va augmenter le niveau de Link si on peut. On peut l'augmenter jusqu'au niveau 15, donc pourquoi pas. Voilà, ça peut aider. Et c'est parti, maintenant on part pour le niveau Celestbourg de Legend of Zelda de Skyward Sword de Dark Celeste à Celestbourg. Avec Link, avec son épée, et non la baguette de merde de tout qu'on avait. Et on prend celle-là et c'est parti. Link et ses compagnons franchirent l'un des portails et se retrouvèrent dans un endroit enchanté. On lui avait conté l'histoire des terres dans les cieux, mais il voyait par le feu la courbe de ses propres yeux. Hélas, il n'était pas arrivé seul. Envahi par les monstres, l'île céleste était sur le point d'être détruite. Malgré la infériorité numérique, Link et ses compagnons n'hésitèrent pas une seconde. Ils se jettent au corps perdu dans la bataille pour avoir une chance de sauver Celestbourg du désastre et la menace. Donc voilà, c'est ça que ça disait. On va regarder un peu le champ de bataille, donc on a Link qui est juste là. Donc, qui est assez loin de la base alliée. On a des capitaines de Celestbourg, vraiment des places de merde. Ah, on a au moins un capitaine Goron dans la base alliée, ce qui peut bien aller. Et c'est parti, donc on va commencer tout de suite. On est à Celestbourg, c'est parti. À l'attaque, chaque humain vivant sur cette terre pillera sous balance. Ben oui, Volga est de retour aussi dans ce niveau-là. Ce Volga est fort, Dan. Il oublie que c'est moi qui rien puisque la tête est sous le feu. C'est à cause de ça, nous allons faire un peu de secours. Il
commande l'armée ennemie. Mais ce cheval dragon, la dernière fois. Aidez-nous, on vole la princesse sauve du grand Richard. Il a pris un autre point, petit âge. Avec le sauve du point de main de grand Richard, il est pris un passage. Il va apporter un sauve au grand Richard. Ah ouais, c'est la dièse pour les aider. Rendez-vous au fort des statues. Link, je vous attends dans le fort de la statue de la déesse. Hey! Link, t'attends-tu pas? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis la statue de la déesse. Donc là, on a fait le but justement, c'est d'aller à la statue de la déesse pendant qu'on y est. Envoyez-nous un enfant, on veut pas qu'on fasse dans cette situation. Les défenses en bas sont pitoyables. Au sud, par là, il y en a juste les là. Les gobelins se dirigent vers la base alliée. Éliminez les gobelins qui se dirigent vers la base alliée. Ben oui, on va aller prendre le fort au sud. Comme ça, au sud, les forts qui sont pris pourront pas se diriger vers la base alliée. En espérant arriver à temps aussi, et en espérant que les portes ne soient pas fermées, parce que si les portes sont fermées, on est fait. Mais je pense que les portes sont fermées. Ouais, les portes sont fermées. On va au moins prendre le pouce. On va prendre l'arc parce que dans ce niveau-là, il y a des gamins besoin de partout. Donc du coup, ça sert un peu à rien de finir ici parce que... Du coup, les portes du fort sont pas ouvertes. Et pour les ouvrir, ben, il va falloir qu'on aille avec la petite ADS avant. Ensuite, il y a quelques portes qui devraient s'ouvrir. On va s'occuper des moblins qui sont là-bas. Donc c'est pas mal tout là, l'armée est pas mal toute là, hein. L'armée est vraiment pas à bonne place déjà. Ça c'était nous autres, mais là-bas. Dans là-bas, ça rigole pas. Ouais, ben là les gens pour l'instant jusqu'à là ça va pas bien. Pas trop de misère, pas trop dur. Hop là, voilà. Ça fait un peu de menace. Là, on va vraiment aller à la statue de la déesse en éliminant les gros qui viennent de par ici. On va éliminer les plus gros pour commencer. Voilà. Et voilà. Ça dégage et en même temps ça aide un peu. Bon, là on peut aller à la statue de la déesse. On va aller prendre le poste qui est là-bas en passant. Pourquoi pas.
Ça peut toujours être utile. Moi je vois toujours les postes en passant pis les morts hein, donc ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup quand vous avez vraiment besoin là. Besoin de soldats supplémentaires ou de capitaine, tout ça, ça aide beaucoup. Le capitaine de poste. Voilà, un poste de plus pour nous autres. Et là, on s'en va vraiment à la statue de la déesse. Parce que là, c'est le temps d'y aller. On a attendu là depuis tantôt, puis encore là, on n'y va pas. Encore là, on n'y va pas totalement. Voilà. On va prendre l'arme qui nous a lâché. On va l'éliminer. Quoi? C'est quasiment fini. Et voilà. Les goblins en fait c'est ça, c'est eux autres les plus tannants, les gros goblins. C'est vraiment le héros de la légende. Bon. On élimine ça. Voilà. Ça nous fait un cœur. Ce que ça nous prend exactement, parce que dans ce niveau-là, les cœurs, ça va être plus tard. Surtout avec Volga. Le Volga à ce niveau-là, genre il va être genre quasiment un bâtard. Puis encore là, je suis généreux. Parce que dans ce niveau-là, il est trop un bâtard. Il est juste incapable à battre. Ben, il est là, mais elle veut beaucoup de difficultés. Donc on risque d'être dans la mouille. Mon nom est Fay, je vous attendais. Vous n'êtes pas mon maître, mais je peux vous considérer comme tel. Ma mission est de vous venir en aide. Cette aide sera nécessaire si vous souhaitez réussir. Acceptez-vous que je me joigne à vous. Donc, oui. Rendez-vous au fort de la statue. Vous avez atteint le fort de la statue. Fay a rejoint le champ de bataille. Link, salutations. Permettez-moi de vous appeler maître jusqu'à la fin de notre mission. Ne laissez pas Fay fuir ni la base alliée tomber. Ne laissez pas Fay s'enfuir. Pardonnez-moi, pourriez-vous aller aider nos camarades d'aller pour l'école de chevalier? On ne peut pas laisser des gens dans l'embarras. Allons les aider.
Oh, mais comment allez-vous aider vos alliés s'il n'y a plus de chemin au nord? Cruelle ironie. Les soldats de Salzbourg ont dit qu'un Arisha ouvra le chemin sur lui demande. En avant! Faye transporte le sub de la citrouille. Transporter ce sub et appeler Narisha devrait nous ouvrir un chemin. Je vous aiderai. Elle défait à livrer la soupe de la citrouille. Bah oui, les sculptures, on s'en fout, ok? Faye a atteint sa destination. La soupe a été transportée jusqu'à sa destination. L'odeur de la soupe de citrouille a fait sortir Narisha. Oh oh, c'est ma soupe préférée. Elle est pour moi? Est-elle pour moi? Narisha, nous devons vaincre les monstres qui menacent les cieux. Pourriez-vous nous aider? Je vois, vous ne pouvez pas passer. Je dois pouvoir régler ce problème. Et voilà! Maintenant, on peut passer. Narisha a relié les deux chemins. Si le grand esprit des chiens, Narisha, voilà un invité bien important. Mais bon, je vais répondre en bas, ça me remontera peut-être le moral. Et là, on va aller tout de suite prendre. Quand même, c'est que je vais à la base alliée. Et là, on va tout de suite prendre les forts. Pour pouvoir avoir des soldats supplémentaires. Mais je vais aider nos alliés. Veuillez mieux les commandants ici pendant ce temps. Le commandant Mie avec plaisir. Bien, qu'en avant. Oui, ils sont pas trop longs. J'aimerais juste pouvoir rendre ça fort avant de repartir. Merci. J'ai une autre requête. Pourriez-vous apporter cette soupe à la fin de l'Ouest? Il y a mais juste là. On va l'emmener le plus loin de la base alliée possible. Arrêtez cette sorcière, pendant ce temps, je prendrai la fuite. Et une guérée, moi plus vite. Et voilà, Guiraïm est terminé. Emmenez Guiraïm. Vous avez vaincu Guiraïm. Ah, ils ont mis mes officiers. Volgar, rends-toi utile. Guiraïm a quitté le champ de bataille. Regarde. Oui, génial. On va prendre le poste ici. Voilà, merci bien. On va essayer d'éliminer le genre de dragon là. Voilà, l'arrêt le boss, c'est fini. Et là, on va prendre cet effort là pendant qu'on y est. Ce qui
va beaucoup nous aider d'ailleurs. Non, mais pour ça que je vais, c'est lui comme ça. Oh, ben, ouais. On va éliminer le plus d'ennemis possible. Je sais pas ce que t'as perdu. On va tout de suite apprendre avec ce pays trop tôt. Voilà. Éliminer tous les tonnerres de fort. Bon. Les balles de fort sont plus par là-bas. Donc on va y envoler par là-bas, on va prendre les tonnerres de fort et ensuite on... on viendra pour le prendre les corps. Mais là par là on peut pas passer, donc c'est un mot qui marche. Déjà on va être obligé d'en revenir parce que là Faut que j'aille prendre les pendants de fort, parce que si je n'ai même pas les pendants de fort, on va perdre la partie. On va vraiment loin en tout cas pour rien. Ok, on va les croiser sur notre route. Ça va être parfait. Un preneur de fort et cette là, puis là, les deux autres on a. Les autres pendant de force en arrière, donc on va tout de suite aller les tuer aussi, et ceux-là aussi. Vous me gênez. Alors c'est vous me gênez, pendant de force. Alors là, j'essaie de les éliminer, mais peut-être, c'est pas super facile. Et voilà, mise en campé, éliminer tous les pendants de fort. Le poste là, on va le prendre. Mais tout ça, c'est en train de se diriger vers la base alliée. Donc on va essayer de couper le chemin un peu. Ok, parfait. Faye a... Non, Faye a pris la fuite. Non, viens pas. Non, mais Salzbourg a été vaincu. Merde. Ah, s'il vous plaît, je vais pas me mettre à facile. Prendre dans les bonnes contrôles. Parce qu'il y a tout ce gros monde. Si on prend le temps de les éliminer, la base alliée va les tuer à cause des grenades de fort. Non mais regardez-moi ce qu'il y a, quoi, franchement. C'est juste des gros monstres, il y a plein d'autres. C'est juste des gros stocks, des gros monstres, il y en a rien d'autre. Mais
mais pas super fort comme on vient juste à découvrir, on peut pas la monter du niveau qu'on veut. Ça c'est un vrai problème. Bon là c'est une seconde ligne. Je vais m'en prendre parce que là j'ai chaud. Bon là les gens on va sauvegarder là vite, vite, vite. Au cas où ce qu'on viendrait à perdre. Sans moi on va être sûr d'en commencer pas trop loin de ça, je connais en mer. Bon c'est bon là, est-ce que je peux y aller éventuellement? Quoi le gros temps là? Grève! Bon là il faut que je m'engouille d'aller au fort le plus au fort allié le plus vite possible. Parce que là on voit que les bonhommes de fort ils sont quasiment rendus. Et il faut surtout pas qu'ils se rendent là, parce que s'ils se rendent là on est fichu. Oh ouais c'est toi qui m'as appelé, veux-tu que je trouve à nouveau le chemin? Bien apprécié, je t'en remercie. Je te remercie. Et voilà, ça c'est une nouveauté que j'aime pas des Warriors de l'édition. C'est justement ça, il prendra de fort. Il y a des objectifs qu'il n'y avait pas dans Wii U, puis sur Wii U, puis sur Wii U, je garantis. Il n'y en avait pas de preneur de fort. Hop là. Bon, éliminez le chef des dinosaures. Le chef est là-bas. Encore, il faut que je me, faut que j'aille à l'autre bout du monde. Puis il y en a deux des chefs en plus. Puis là, le pire, c'est que des éléphants, ça va en avoir beaucoup plus. Ça commence par un ou deux, puis une fois que ça va être assez, ils vont tous venir sur notre base, puis on va en parler, comme d'habitude. Non! Quand est-ce que j'ai eu le système d'inventaire? Vous avez pas idée? Vous avez pas idée comment je déteste le système d'inventaire dans ce jeu-là, les gens. C'est un truc de fou. Ah mais là, la fille est en danger bien sûr parce que pourquoi? Elle sait qu'elle n'est pas capable de s'occuper du chef de la fosse. Mais par contre, elle va s'en occuper pareil. Elle sait qu'elle n'est pas capable. Elle sait qu'elle n'est pas capable, mais elle s'en charge pareil. Et là, moi, il faut jamais m'occuper d'autres qui s'en va vers la base alliée parce que sinon on va la perdre. Je vais essayer d'utiliser ma magie puis ce que je peux hein, mais je garantis pas que ça va marcher. Hein. Parfait, le premier est fait, donc là on s'appelle juste, voilà on fouille.
Et on s'en va faire l'autre. Les boss s'en viendront les prendre ta dose pas plus grave que ça. Il faut vraiment que j'aille aider des filles qui s'occupent du lot de leur poste parce qu'elle a niaisé dans le bâton. Je peux pas aller l'aider parce qu'il faut que je prenne ce fort là. Le chef du fort il est là. Tout le monde dégage. Ouais, ouvrez les portes. Ah, oh, bon enculé, mais ils savent vraiment rien faire. Ils savent vraiment rien faire, hein. C'est fou. C'est une des autres qu'il faut faire dans ce jeu, c'est grave. Je préfère vraiment la version Wii U, quoi. Gardez-moi ça, ça me dit, il y a moyen de la faire en deux mains. Yo, celui-là qui veut se diriger à base, il y a même pas deux minutes, là. Ça pose le cœur. T'es même pas dans la gang en plus, c'est bien qu'on veut tuer. Bon là c'est assez, là faut absolument j'aille m'occuper du lot chef de les Alopos parce que sinon il va vraiment mourir. Qu'est-ce qu'un chef de poste fait ici? Ça part vraiment en steak les gens à ce niveau-là, là, c'est fou. Non. On a ouvert un petit peu pour pas le gars. Ouais, il y a vraiment beaucoup trop d'ennemis pour rien du coup. Oh,
On garde ça là, les gens, là, je peux plus, là. Là, c'est un niveau là en mode normal, là, bon. Non, mais Volga, là, je mouille quand les. Non, là, faut que je me sauve, faut que je me sauve, j'ai plus de vie, faut que je me sauve. Je vais me sauvegarder encore une fois. Juste pour être sûr qu'on est correct. Ce qui m'étonnerait carrément. Parce qu'on est vraiment dans la merde. Peut-être trouver un ou deux cartes, c'est vraiment tout, là. En plus, on est allé perdre des forts, carrément. Un coffre qui ne va pas nous servir trop à grand chose. Un corps de cage. Et puis on n'a même pas fini de battre Volga. On a encore les. L'autre chef de les Alophos à l'éliminer. On a encore. On a encore pas mal de job à faire. Écoutez, on a tout plein de choses à faire, on a même pas encore fait la moitié du niveau, puis on est déjà dans la mort partout, à gauche, à droite, peu importe où on va. On est dans chenoute le plus possible. Il y a encore l'autre chef de la zone des Dinalophos qui est même pas éliminé. Il faut que j'aille m'en occuper au plus vite. Il y a fait qui manque cruellement de vie. Là. Les gens avancent. Là, les gens vont s'entendre de s'occuper de Volga. Il n'est pas encore tout à fait fini. Je vais aller reprendre le fort qu'ils m'ont pris. Parce qu'ils m'ont pris mon fort et mon poste aussi. Ça, c'est tout à moi. Il est passé par là. Désolé les boys, désolé les ennemis, pour ça c'était mon fort, donc vous dégagez, cordialement. Merci. C'est chez nous ici. Ce poste là il était à moi aussi. Désolé, mais vous allez me l'abandonner. Je vous remercie. Et là, on va aller finir de s'occuper de Volga. Pour qu'il puisse sacrer son camp et qu'il revienne plus tard. Je pense que cette fort-là t'apportait mon dos. T'es dans le champ. Volga, t'es dans notre corps, ça te dégage, ok? Y'a personne qui t'aime ici.
Et moi je t'aime pas non plus. Vangal il baisse sa véritable puissance avec le plus fort. Quel engagement, si je t'emmène de ma forme, je ne serai qu'une bouchée de ce genre. Pourquoi ne pas se souvenir dans les champs de Mandanaï dans la grande fée? Là il faut qu'on aille à la fontaine de la déesse qu'on est vu au début. Et elle va nous aider en fait à baisser la furie de Polka pour qu'on puisse avoir une chance de l'éliminer, parce que là genre Mandanaï quand il décupe sa force après là, il est genre full power. Puis là, faut éliminer ces coups de dragon, parce que sans ça, on pourra pas ouvrir les portes de la fontaine de la déesse. On fait un changement. Et voilà. On peut maintenant entrer dans le fort de la déesse et puis faire des lives dans la grande fée. Et là, Narisha va nous aider pour tuer Volga. Bah, en fait, il va libérer sa magie qui va l'affaiblir. Le Narisha arrive. Et voilà. Volga est affaibli. Et là, Volga va être un peu plus tueur. La faute de Narisha a affaibli Volga. Voici tout l'étendue des pouvoirs. Très bien, je vais retourner me coucher après. Ah, tu me le feras. Votre Volga est affaibli, c'est le moment de lui donner le coup de grâce. De m'acharner sur Volga à un point genre vraiment haut là, pour vraiment pas qu'il parce que Volga si on s'en occupe pas, il va juste se surprendre. Si Fay elle vous suit pas mal, ça fait que si Fay est morte, on perd. Boum! Et voilà! Éliminez Volga! Vous avez vaincu Volga! Si l'esprit des cieux n'avait pas intervenu, j'aurais fait qu'une bouchée de vous! On a gagné! Pouf! On devrait être tranquille pour un moment! Ça ne m'amuse plus du tout! Repliez-vous avant que je ne perde patience!
Ah bien, FG, c'est encore plus amusant de les détruire de l'intérieur. Victoire. Les gens, fuck l'épisode 10, ok, je la ferai dimanche, ok. Oubliez l'épisode de mardi, ok, à jamais. Rien qu'un niveau là, déjà là pour moi là c'est bien tout. Rien qu'un niveau pour moi c'est déjà bien tôt. L'épisode 2 ça va aller à dimanche. Je suis désolé là, mais déjà un épisode c'est beaucoup tôt. Présentation de Fane. Présentation de Guiraïm. Et voilà, à l'épisode 10, ça fera le site du saut. Donc, ça va encore mettre avec Link. Est-ce qu'on peut augmenter Link encore? En tant que tel, j'augmenterai Link, mais non. Je vais augmenter Fée. Parce que niveau 1. On va l'augmenter jusqu'au niveau 12. Comme ça, ça y fait 2 coeurs de plus. Et ensuite, le kiosque au bas, on va aussi augmenter ses choses d'attaque pour qu'elle soit plus forte, comme elle va nous aider dans les niveaux. C'est mieux de la monter ses badges aussi. On va lui donner plein de badges qu'il peut faire, genre plein de combos, plein d'affaires de main. Voilà, là je peux plus rien faire, mais au moins ses badges de terre vont être augmentés. On peut au moins faire ça. Ce qui va lui donner des cœurs si jamais on en perd. Et voilà. Au moins déjà là, ça va nous aider un peu avant moins de matin. Donc au prochain épisode, les gens en feront le site du saut. Sur ce, j'espère que cet épisode 8, 9, Dragon Warrior vous a plu. Merci encore de me suivre, de me soutenir. On se retrouve dimanche tout le monde. Puis... Ah oui, mardi prochain, il va y avoir une vidéo, inquiétez-vous pas. C'est juste que là, cette semaine, il n'y en a pas eu, mais en tout cas. Mais mardi prochain, il va y avoir une vidéo, inquiétez-vous pas. Mes vidéos sont mardi, mercredi, dimanche. Je le répète encore une fois. Sur ce, merci d'avoir été tout le monde. Peace.